Ryan m'a la dégaine aussi. Ah ouais. Avance-toi pour voir vite fait David. Ok. D'accord. Parfait. Parfait. Pas trop serré. Ah bon, ça va. Qu'est-ce qu'on laisse tirer? Chut, allez. Toi, Patrick. Ah, ça filme là? Non. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. T'as vu? Faut prévenir quand tu mets. C'est la mionne. Il y a la lumière rouge. Jamais, moi. Et là, c'est marqué, là. Il est marqué enregistré. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mange des pâtes NES. Et je suis accompagné de Douloustique, de la NES, de la Nintendo. Exactement. Des Abitros. Non, alors comment c'est? Des Abitros. Putain, on va parler Nintendo chez moi. Bon, c'est déjà la deuxième fois, tu vois. Ouais, ouais, ça va. Donc, on va parler de la NES du coup, parce que on parle pas beaucoup de NES sur la chaîne. Ah, puis la NES, moi, c'est la console de mon cœur. Donc, ça va être l'occasion. En plus, ouais, tu connais en NES, hein, c'est ta console de cœur. C'est quand même ta console de cœur. Voilà, c'est ma console de cœur. Moi, c'est pareil, j'ai commencé avec la NES. Hein. Bon, bah voilà, t'étais un bon gars, je pensais que t'étais une merde, mais enfin, compte, non, même toi, ça va. Par contre, t'es un bon gars. Salut à tous. Yeah. Ah, t'as un bouquin à HL. Ah bah, je viens de voir ça. Bah, c'est le bouquin de Chiez. Ah, la grande classe, la grande classe. Julien Chiez, l'expert en jeux vidéo. Donc je le place en 5ème position. On va passer à la 4ème. 4ème. Ouais. Non, 4ème. Tu veux boire un coup? Tu veux fumer? Détends-toi. Détends-toi. Par contre, si je peux fumer une clope, je veux bien. Ouais, vas-y, fume. Tu peux me donner un cendrier, s'il te plaît? Tiens. Bah disons, tu sais que ça te vise un cendrier. Hein. Ouais, mais bon, je l'ai laissé là parce que je me suis dit, tu vas revenir dans 3 mois. Ouais, non, qu'il a pas vidé. Bah, t'es passé à quoi il y a 3 mois, donc je l'ai laissé tel quel. Ouais, mais je reconnais aussi il y a 6 mois, il y a un an, enfin quoi. Ah ouais. Bref, juste une petite clope. Moi, enfin bon, je fume pas 15 clopes non plus, c'est pas un bureau de tabac ici, hein, c'est pas un fumoir quoi. On n'est pas dans une boîte de nuit quoi. Donc, du coup, tu sais bien que je suis sain. Ouais, juste une petite clope. De toute façon, ici on fume que de la drogue, hein. Pas de clope. Donc, 4ème position. Alors, à ton tour, qu'est-ce que t'as pris? J'avais choisi Il était une fois Hollywood. Effectivement. Et ça depuis peut-être 4-5 ans. Oh, ouais, hein, ça a augmenté ces dernières années. Ouais. Fais pas bon être collectionneur GameCube. Ah, non, c'est clair. Le full set fait très mal. Ouais, ça... Si tu te lances sur un full set... Non, je te lance pas sur un full set. Bah, changeons maintenant. Ouais. Ouais, c'est clair, ça se met une balle dans le gap. Dans le portefeuille. C'est ça aussi. Et voilà, donc le petit snack, voilà, un petit jeu de plateforme sympathique, qui se casse pas des briques. C'est casse pas des briques, c'est un petit snack. Un petit snack. Dedans. Oh, pas mal ceci. Voilà. Non, mais le mieux c'est que tu mettes le minuteur, pas le chrono. Ouais, le minuteur. Peut-être tu lances. Ouais, mais 0. Si on arrive à 30 et qu'il reste machin, ça fait quoi? Il vaut mieux voir le temps qui nous reste que le minuteur. Parce que si tu mets. Attends. Non, mets pas un chronomètre parce que ça va sonner. Non, d'accord. Non, le chrono, c'est qu'il sonne pas le minuteur. Il sonne pas le minuteur. Ah non, alors vas-y, bah mets le chrono. C'est le minuteur qui sonne. Ah, c'est ça. Tu sais, j'ai utilisé ça pour mon gâteau. T'as fait quoi comme gâteau? Un gâteau au beurre de cacahuète. Je vais faire le PS3. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est ce que je fais. Bon, bah on est parti. On est parti. Allez, let's go. Allez, go. Alors voilà ma petite room où j'aime bien me retrouver pour se détendre le soir. Après le taf, après une bonne journée de merde. Ouais. Voilà. Bah, faut le dire. D'accord, ça marche. Voilà. Bon alors. Alors, je me suis pris des éléments arcade, du coup des éléments de vraie bande d'arcade, ce que moi je suis content. Alors voilà, du coup, voilà, merci pour ce projecteur. Le truc qui fait 10 kilos. Alors ce n'est pas un Ibar, c'est un jeu de rythme qui s'appelle Group Coaster, qui est sur Switch et aussi sorti sur arcade. Et franchement, au début je pensais que c'était une gourde, mais non, ce sont des boutons arcade.
Et du coup, je suis très content de mon acquisition parce que ça, c'est de la bonne qualité. Donc du coup, t'appuies et ça pivote en même temps, quoi. Et ça pivote en même temps. Donc là, il y a tout un mécanisme, ouais, et puis là, du coup, tout ça, c'est des LED, puis autour. Et puis ça, c'est que des LED. C'est un téton amovible. Et ça pèse. Donc j'ai quelques vieux jeux d'époque, des petites broutilles, vous allez voir. Voilà. Et donc pour ça, bah, nous sommes équipés de délicieuses pâtes. Voilà. Le nouveau Game Pass, il faut tenir un an avec tout ça parce que ça va coûter cher. Sacré abonnement, hein. Ça va coûter très cher. Là, on a fait une sélection un peu de déglingos même. Hein. Ah, ça va piquer là sur la fin. Ouais. Ça va même atomiser votre portefeuille, hein, je dirais. Comment vas-tu, Bruno? Ça va. Ça va bien? Je viens de te dire que ça va aller. Ok. Je te sens un peu tendu là. J'ai un petit peu tendu parce que j'ai pas l'habitude trop qu'on vienne comme ça chez moi. Ouais. Vite, c'est étonnement parce que mes frangins m'ont dit que ça allait avec toi. Donc toi Bruno, c'est quoi ta spécificité? Bah, moi je suis en fait... Tu es collectionneur de quoi? Les jeux de baston. Jeux de baston? Que ça. Que ça? Que ça. D'accord. C'est quoi, d'où est venue cette passion du jeu de baston, quoi? Bah, au départ, j'ai un champion de d'arts martiaux. Ouais. Donc ouais, t'as fait quoi? T'es maître en arts martiaux, bah, donc En fait, j'étais maître d'armes à la base, à l'armée. Ouais. Après, quand je suis revenu en Yougoslavie, je me suis lancé en fait là-dedans. En fait, j'ai continué à donner les cours. Et donc du coup, t'as eu des dan dans quelle branche, quel style de combat? Alors du judo, de l'aïkido, des taekwondo, boxe anglaise, boxe thaï, MMA. D'accord. Jiu-jitsu, peut-être? Et jiu-jitsu, oui. Ouais. Là, je suis en train d'apprendre le jiu-jitsu, mais bon, là, bon, j'ai passé les étapes. C'est bon. Et du coup, tu m'as dit aussi que ton dernier art martial que tu pratiquais, c'était la savate. La savate. La savate, je ferai voir. De toute façon, je vais te faire une petite démonstration. Une petite démo, là, après que... En fait, avant de commencer, avant que tu nous montres la démonstration. C'est vraiment meilleur, mais ton émission va pas faire l'enfeu si tu me coupes la non, parole, mais je voulais te non, dire. Non, parce qu'en fait, je voulais te présenter avant. Je te préviens tout de suite. Je voulais te présenter avant. Apparemment, t'as été acteur de cinéma aussi. Bah, en fait, j'étais. T'as joué dans des films de combat avec. J'étais figurant dans des films avec Jean-Claude Van Damme, Jason Tatane, ouais. Chuck Norris. Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu avais fait aussi quelque chose d'un peu... Bon, je veux dire... Tu as participé à des films... Des films un peu pour adultes. Hein, Full Contact, voilà. Après, bon, je n'ai pas non plus énuméré tous les films... Tu as été figurant dans Full Contact? Oui, j'ai aussi sur des magazines aussi. D'accord. On n'est pas là pour parler de ça. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, il y a un... Ouh, joli, là, le petit collector Tekken, là. Oui, t'as vu ça? Ah ouais, figurine sympa, là. Donc, du coup... Ça, c'est Tekken 2? Ouais, Tekken 2. La boîte est un peu abîmée parce que je me suis énervé un jour parce qu'il y a un mec qui est venu, en fait, il m'a battu. Ouais. Et du coup, j'étais pas content. Donc, j'ai tapé la boîte au lieu de taper lui, toi. Donc, du coup, tu lui encastrais la tête dans la boîte, quoi? Non, j'ai fait passer par le mur. Ah, tu l'as fait passer par le mur, là? Ouais, il vient, moi. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une entaille, là, dans le mur? Ouais, il y a une grosse entaille dans le mur. D'accord. Je répare ça, mais bon, pour l'instant... Ok. Et puis alors là, tu me fais plaisir. Je vois que sur ta timbale, t'as le jeu Tekken 3. Oui, sur la timbale Tekken 3, en fait, parce que j'ai mis là, parce que sur la timbale, parce que... En fait, c'est moi qui ai fait, en fait, la ligne de basse... La ligne de basse du... De la musique de Tekken 3. Ouais, la musique de Tekken 3, c'est moi. La musique de Nina, c'est toi qui fais la ligne de basse? Ouais, regarde, écoutez. Ça, c'est moi, je suis... C'est moi qui fais, toi. D'accord. Ouais, okay. Je vais pas jouer de la guitare parce que bon, c'est pas le moment. Non, mais c'est pas le moment. Peut-être une autre fois quand il reviendra. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui est droit, c'est bon. J'ai pas l'impression. Hein? Ah, tu vas me faire rigoler. Bon? Quoi? T'en passes. Ah, t'es impec. Là, t'es bon. Impeccable. Je te dis quoi, tu veux voir, c'est bon. Oui, voilà. Je t'ai fait ma confiance. Salut à tous, mes serpents solides. Ici Solid Snake. Comment allez-vous? On se retrouve chez Stick de Geek aujourd'hui. Ça va, mon ami Stick? C'est moi qui fais trop de ta chaîne, quand même. Ça sera pour le bêtisier. Tout à fait. Non mais de toute façon il y aura... Non mais t'inquiète, c'est bon. T'embête pas. David il veut du décorum. C'est parti. Non, on le verra pas, t'inquiète. Mais
Monsieur, tu peux l'accrocher à ton bras. Faut que tu mettes le bras devant. Faut qu'il tienne. Comme ça? Voilà, comme ça, tu le mets sur le... Voilà, comme ça. Et on le voit pas, donc c'est pas grave. Allez, go. Il est con. Voilà, t'as vu ça? C'est Christophe qui me déconcentre. Ah ouais. Donc là, gros plan, les gars. Ouais, mais on a dû continuer. Bah, vas-y, on continue. Ouais, mais non, parce que là, il faudra la refaire quand même. Et après, il faut se rapprocher, gros plan. Donc là, du coup, vous revenez, gros plan. C'est à toi. Ah, arrête. Non, toi, continue, non, continue, non, continue, c'est pas grave, lance. Tu sors le matin. Ah oui, d'accord. Et faut que tu sois plus à gauche, hein, pour qu'on puisse te voir la réaction. Parce que je vais mettre mon bras. Bah là, je filme. Hein. Allez, vas-y. Oh, il est génial ce jeu. C'est une vraie tuerie, quoi. Oh, je m'éclate de ouf. Ah, 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 ah. Attends, on va voir ce que ça donne. Voir et de t'enregistrer. Voilà, comme ça. Ah. C'est comme s'il avait vomi sa cervelle. C'est ça. C'est rien, c'est de la tomate, mais bon. Non mais attends, parce que ça faudrait que faire la deuxième prise en face, comme ça. Ah, c'est dommage, putain, c'était tellement bien là, la prise. Ouais, c'est dommage. Ok. On peut appuyer. Attends, faut filmer. Il y a une voiture derrière. Vas-y, tu peux lancer. Hein. Ouais. Et là, tu tombes. Alors attends. Là, je suis con, moi. J'ai enlevé ça. Là, t'es en train de filmer. Hein. On est d'accord. C'est pas grave. Ouais. Laisse comme ça. Et toujours la PSP dans la main. Ouais, t'as compris, on voit pas trop le sang, c'est dommage. C'est pas grave. Attends, comme ça. Attends, je prends une capture comme ça. Vas-y, bah tiens. Attends, comme ça. Attends, enlève tes yep, Rick. Attends, il y a la voiture. Lance. Et au bout de 5 secondes, tu pars, José. Attends, recommence. Au bout de 5 secondes, tu pars. Ah non. José. Ouais. Tu t'es arrêté après la caméra. Ah, faut que je m'arrête là. Tu t'arrêtes au niveau de la caméra. Vas-y, recommence. 2. Ouais, c'est parti. 3. Oh, que dalle. C'est pas grave. T'as pété le couteau. Merde. Ah, ça, c'est con. Attends, t'as une blessure. Oh, regarde, putain, il y a. Ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Ricky? Faut qu'on y aille, bordel, là. Oh, putain. Ah, c'est bien du Flanciou, ça, bordel de merde, la carène me fouette. Bordel.
fils de pute. Twer eats combo. Perfect. Sur la route comme ça, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait jouer sur la route comme ça, toi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? La route joue quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'as fait à mon pote? Qu'est-ce que t'as fait à mon pote, toi? Inconditionnel de figurines et de jouets en tout genre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David pour un nouvel épisode Stick and Chig. Comment ça va, David? Ça va bien, et toi? Impec. C'est quoi cette voix? Ça va bien, et toi? Ah bon? C'est quoi cette voix? Donc, verdict, Yaek, franchement, nous sommes éblouis hein, par cette production. Nickel. Je vais sortir le petit pouce, mais il est là, mais il était mort. Allez, mettons. C'est faisable, hein. Alors, assis-toi. Je pense. Ouais. Par contre, ouais. Pas d'imminent, quoi. Ouais. C'est bon? Regarde un peu. Peut-être un poil bas. Enfin, un trou en penché, peut-être. Ah, c'est flou. Hein. Alors, c'est peut-être moi qui vois flou. Ah non, non, d'accord, non, c'est pas flou. Si je fais ça, je coupe là. Après, en fond, ouais, bah, t'essaies de voir de piquer un décor de la série. De toute façon, il y aura assez une sitcom, ça reste forcément la baraque. Ah, c'est pas mal. Nickel. Shérif, shérif, s'il vous plaît, on a quelques questions pour vous. Shérif McIntosh, par ici, pour Breaking News, s'il vous plaît. Oui. Ah, non, il suit pas, Eric. Eh bien, si, il suit pas. On recommence. Shérif, pour le Tribune Chesterfield aussi. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Chesterfield? On aimerait savoir, ça fait 2-3 jours là, il se passe des mauvaises choses. L'air, On est inquiet là. L'air est grave. Deux de nos concitoyens ont été assassinés. Qui est-ce? Johnny Galloway, le fils du maire. Non, c'est Bobby et Johnny. Bobby. Ouais. Galloway. C'est pas grave. Johnny et Bobby. Allez, ouais. Un. T'as lancé ou pas, Bastien? Oui, c'est bon? C'est parti. Shérif, shérif, s'il vous plaît, on a quelques questions pour vous. Shérif. Pour Breaking News, Shérif McIntosh, s'il vous plaît. Bonjour McIntosh, à tous. Pour le Tribune aussi. De Chesterfield. Faut que tu dises. On recommence. Putain, merde. Ah, et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Oursin dans les poches. Et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao. Hugues. Bon voilà. 33 minutes, c'est bien. Ouais. On a géré là.